Vous ne voulez plus des spaghettis immangeables après 24 heures? Avec les spaghettis Matanti, c'est la garantie de 36 heures de conservation après la cuisson. Produit 100% naturel, Matanti, une saveur unique. En vente partout. Wow, people. Je m'appelle Honka Albert, alias Motip. Je suis l'encadré principal du groupe Pepita de Meridion. Moi, on m'appelle Kaeda Isaac Semako. Je suis le maître percussionniste des enfants Pepita de Meridion. Pepita, c'est-à-dire Pepi Or. Donc, comme le début, on n'avait pas eu le nom. Et le directeur, et nous de Bessie Michel, et moi, il avait un jour, on était ensemble et on discutait sur le nom. Et tac, il a dit, bon, il faut mon type, il faut qu'on donne Pepita. Et moi-même, cette question, je lui ai posée. Pourquoi Pepita? Elle a dit, ben, Pepita, c'est Pepita Or. Comme c'est des enfants qui sont tout petits et après, ils vont d'accord. Je dis d'accord. C'est pourquoi c'est là que le nom Pepita est venu. Et on a plusieurs rythmes. On fait le kaka, on fait le ayo, masegon, on fait le djegbe. On crée aussi des rythmes. Parce qu'on fait aussi le jazz. Parce qu'on copie aussi des morceaux des gens. Mais sinon, chez nous ici, on fait tout, hein, on fait tous nos rythmes. On fait le sapata, on fait le chinan. Le travail, c'est facile, c'est encore difficile. Le début là, j'aime trop. Mais ils sont des enfants qui gardent vite quoi. Ouais, si on leur dit quelque chose, même si tu dis que bon, on va changer, eux aussi ils refusent. Donc, ce que vous avez fait là, on doit le faire. C'est un peu ça. Ici, on appelle ça parler. Donc, on joue comme ça. Ça là, c'est agomé. On appelle ça agomé à chez nous ici. Et Zenli à Abomé là-bas. On joue comme ça. Ça, on appelle ça cascaillette quoi. Nous on appelle ça agoubé. C'est notre création, nouveau création de cette année ça. C'est comme ça. Ça là, on appelle ça agba. On joue ça souvent dans les massés et dans les ayo. Ça là, on appelle ça achasu. On utilise ça dans le couvent. Bon, souvent ça là, c'est sacré. Dans le groupe, moi, je danse, je chante. Mais ça ne m'empêche pas de travailler à l'école. Si tu échoues une classe, quoi, c'est que tu as échoué aussi ici, quoi. C'est terminé pour toi. En étant dans le groupe, j'ai envie de devenir la plus grande artiste du Bénin à travers ce qui est ici. Mon ambition, il faut qu'on amène, nous les encadreurs, nous on veut toujours amener les enfants au haut niveau, niveau international. Et Inch'Allah, si Dieu le veut, on va les ramener là-bas. Wow, people.